Et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voici encore devant toi en ce soir avec nos chants de louange
nos chants d'adoration pour te louer, t'adorer pour glorifier ton nom, pour toutes tes merveilles dans chacune de nos vies, pour tes actions éclatantes dans la vie de tes enfants. Et Seigneur, nous voulons te confier toutes nos intentions, celles de ceux qui se recommandent à nos prières, celles de nos frères et sœurs. Nous allons, chers frères et sœurs, demander l'intercession maternelle de notre maman Marie en ce moment pour les intentions que nous portons dans la prière de ce soir, dans cette adoration. Ensemble, unis dans la même foi, unis d'un seul cœur, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, réserve-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Présents, chers frères et sœurs,
Nous allons dans une adoration intercéder pour nos frères et sœurs qui se recommandent à nos prières. Et nous allons aussi prier pour nous-mêmes. Nous allons laisser monter nos prières, les prières qui viennent du fond de notre cœur au Seigneur, afin que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, nous écoute et nous exauce. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous conduis, toi qui nous appelle à ta suite en tant que chrétien, Seigneur, toi qui connais le secret de notre cœur, toi qui veux cheminer avec nous comme les disciples d'Emmaüs. Seigneur, nous venons à tes pieds en ce soir pour nous confier une fois encore à toi, pour t'élever, pour faire monter nos prières vers toi. Dans cette adoration, Seigneur, en ce moment précis, nous te prions pour nos frères et sœurs malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui sont atteints par des maladies difficiles, des maladies qui leur ont fait perdre espoir. Seigneur, nous voulons te prier en ce moment, toi, notre seule espérance. Nous voulons, par ton biais, donner de l'espérance à nos frères et sœurs qui sont atteints par ces maladies, les cas de cancer, les cas de COVID-19, les cas de folie. Seigneur, nous portons
les prières de ceux qui se recommandent dans, à nos prières, de nos frères et sœurs qui espèrent en toi et qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux qui sont unis à notre adoration en ce soir, ceux qui sont unis à nous, en pensée, en prière. Seigneur, touche tes fidèles, touche chacun de tes enfants dans leurs différents lieux de confinement. Oh Seigneur Jésus, que tes enfants témoignent de toi, que tes fidèles témoignent de toi, que les enfants de Dieu reconnaissent en toi l'envoyé, le Messie. Seigneur, nous te prions ce soir pour toutes ces intentions et nous savons que quand nous t'invoquons, tu réponds toujours à notre appel. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Daigne nous écouter. Daigne nous exaucer. Daigne nous redonner foi et espérance à tes fidèles. Et par toute l'Église, au monde entier. Seigneur, que tous tes enfants qui sont dans la douleur, dans la détresse, connaissent la paix et la joie du cœur. Nous te le demandons dans cette assurance que nous avons en toi que nous suivons et en qui nous gardons espérance. Seigneur, écoute nos prières et exauce-nous. Quoi, le Dieu le veut, le Seigneur de la Jésus Christ.
détresse, il y a le clodina. Il y a le pomme-là au menari. On oublie de quoi porte, mais pas mieux dit. On doit aussi, ne va mieux pas que on dit. On a tout aussi, ne va mieux dit. On est de quoi aussi, ne va mieux dit. Oh Jésus, aie pitié. Pitié de nous, Jésus. Tourne ton regard de miséricorde envers nous. Oh Jésus, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Si tu n'agis pas dans nos vies, qui va agir? Parce que c'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi seul qui es notre Sauveur. C'est en toi que nous avons notre confiance. Oh Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris les malades. Jésus, soulage les affligés. Oh Jésus, tu es sensible. Tu es sensible. C'est pour cela que nous poussons nos cris vers toi. Oh Jésus, oh roi des rois, regarde comment en cette période les foyers ont des difficultés à joindre les deux bouts. Oh Jésus, sans ta puissance, sans ton amour, Jésus, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est pour cela que nous poussons nos cris vers toi. Nous crions comme Bartimée. Oh fils de David, aie pitié de nous. Oh fils de David, tourne ton regard miséricordieux vers nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient pour le siècle des siècles.
chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Suivons les intentions de la messe. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Demande la protection divine pour elle et pour sa famille, demandée par Léa. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Demande la protection divine, un bon déroulement de son accouchement, demandé par Justine. Messe de délivrance et d'évocation de l'Esprit Saint sur sa vie, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le bénisse et bénisse ses activités, demandé par Paul-Marc Sosa. Action de grâce pour le don de la vie. Demande la protection divine pour elle et pour sa famille par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu de Bojona Dominique et pour les âmes du purgatoire, demandée par Bojona Christine. Messe pour le repos en Dieu de Apéti Joseph, des défunts de la famille, demandée par la veuve. Action de grâce au Seigneur et protection divine. Demande l'assistance du Saint-Esprit pour son fils pour retrouver un stage. Demandé par Alice. Messe en l'honneur du Saint-Michel pour le repos en Dieu de Isidore Boevi-Lawson, Véronique Sylvie Yakpene et les âmes du purgatoire. Demandé par une famille chrétienne. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Demande la protection divine pour elle et pour sa famille, demandée par Syrah Mehun. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Demande la protection divine et l'assistance du Saint-Esprit sur elle et pour la famille, demandée par Claudia. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Que la Sainte Trinité soit son bouclier, demandé par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur, protection divine pour Aureliana, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demandé par sa mère. Messe pour confier au Seigneur une intention particulière. Messe pour demander une bonne entente entre Vanessa et son papa, demandé par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits durant l'année académique 2019-2020. Elle rend grâce à Dieu pour sa réussite au premier semestre. Lui confie le second semestre et prie pour une intention particulière. Demandée par Louise Daillot. À ses intentions, unissons les nôtres. Bonne célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce à quoi notre Seigneur Jésus-Christ nous convie en ce jour. Aimer nos ennemis. Seigneur, le Seigneur Jésus nous donne un commandement qui dépasse, le commandement de l'amour qui dépasse l'amour des enfants de ce monde. Eux, ils s'aiment entre eux. Les connaissances. Mais Jésus nous demande à nous, chrétiens, de dépasser cet amour, c'est-à-dire non seulement aimer nos frères et sœurs, mais aussi aimer nos ennemis. La grandeur de l'amour, la grandeur de la charité, voilà ce à quoi Jésus nous convie. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de l'amour, cette vertu qui nous aide à aimer même nos ennemis, à prier pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent, parce que la justice, le jugement appartient à Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur.
tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam et à celle de Baasa, des prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses vêtements, se couvrit le corps d'un vêtement de pénitence. Il jeûnait, il gardait le vêtement de pénitence pour dormir et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Acclamation. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-il pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en faut-il pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le Dieu de justice que nous servons, notre Dieu qui voit tout dans le secret, ne saurait passer sous silence le crime commis par le roi Akab et sa femme Jézabel. Nous avons écouté dans les lectures précédentes, c'est-à-dire la première lecture des jours précédents, comment le roi Akab et Jézabel se sont rendus complices dans le mal en faisant tuer l'homme juste, Naboth, pour sa vie, la convoitise du roi Akab l'a induit en erreur. Et sa femme Jézabel a soudoyé les anciens pour dire de faux témoignages contre Naboth pour pouvoir le lapider à mort. Et ce qui a été fait, Naboth fut tué. Et voilà, nous l'avons écouté dans la lecture de ce jour. Le roi Akab, heureux de la mort, heureux du crime qu'il a commis, se rend dans la vigne pour en prendre possession. Chers frères et sœurs, le prophète Élie a été envoyé à cet effet auprès du roi Akab. Parce que Dieu qui voit dans le secret, Dieu qui sait ce qu'ils ont fait, va agir. Et Dieu porte un message pour le roi Akab, par son prophète Élie, qui va retrouver Akab dans la vigne. Qui tue par l'épée, périt par l'épée, dit-on. Les méchants auront ce qu'ils méritent. C'est justement cela, le message que porte le prophète Élie au roi Akab. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens lapperont ton sang, à toi aussi. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Oui, les méchants auront leur part, mais c'est Dieu qui fait justice. Dieu est sorti de son silence et il a parlé par la voix de son prophète. Mon frère, ma sœur,
en toute situation, quelle que soit la délicatesse de la situation que tu traverses, confie ta cause au Seigneur. Car le jour vient où Dieu rendra justice et les peuples verront sa gloire. Chers frères et sœurs, en Église et en humanité, à l'image de notre Seigneur, soyons aussi des hommes de vérité et de justice. Évitons la haine, le mensonge, l'injustice, la convoitise, l'envie, la jalousie, la corruption et les influences de toutes sortes. Même si notre société semble se pervertir dans le mal, soyons, nous, des exemples, des modèles pour cette société-là. Nous devons, en tant que chrétiens, être des modèles pour la société, non pas faire à la manière des humains, des hommes, qui font des péchés d'envie, de jalousie, de convoitise, etc., ce qui est arrivé au roi Akab, et qui conduit même au meurtre, à la suppression d'une vie ou des vies. Chers frères et sœurs, nous devons être des modèles pour cette société. Voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Dieu, certes, est un Dieu de justice, mais il est également riche en miséricorde. C'est pourquoi il a eu pitié de son serviteur, le roi Akab, influencé par sa femme perverse, Jézabel. Quand celui-ci a reconnu son horrible péché et est revenu à lui, le texte le dit bien. Le roi Akab s'est reconnu pécheur. Il s'est humilié, il est revenu au Seigneur, il a demandé pardon. La pitié. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Oui, mes frères et sœurs, nous devons nous reconnaître toujours pécheurs devant le Seigneur. Dieu, notre Dieu, il fait toujours miséricorde à celui qui la lui demande et l'invoque en vérité et avec sincérité parce qu'il est un Père aimant pour nous. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Dieu ne fait pas de distinction entre nous. Dieu ne distingue pas ou bien ne fait pas la démarcation pécheur, non pécheur. Dieu nous aime tous de la même façon parce que nous sommes tous ses enfants. Mais il attend que pécheurs que nous sommes, nous revenons à lui. Si le pécheur reconnaît son péché, revient au Seigneur, il est pardonné pour recommencer une vie nouvelle. Quand nous sommes infidèles, Dieu, lui, il est fidèle, chers frères et sœurs. Et il attend toujours que nous fassions le pas pour venir à lui. Dieu est amour. Il nous aime d'un amour incommensurable, bon comme mauvais. Et c'est à cet amour qu'il nous éduque dans l'Évangile. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Que Dieu, l'amour par excellence, fasse grandir en nous la vertu de l'amour
et que l'Esprit Saint soutienne notre marche de foi à la suite du Christ qui nous envoie apporter l'espérance au monde entier. Amen. Revenons au temps le Christ omé. Mikwe, le nous en omé, vaï. Nous en avons eu d'eau, mais bien, et bébé, nous en avons pas toi. Mikwe, de Jessibé, et fia à cap. Et va quoi, vingt blé. Et qu'il est à quoi bonné. Et au Georgine, et au dit, veuillez appeler. Voilà que mes vingt blé, n'a pas de temps, et on y est. N'a pas ni à me jouer les mains ou même coumé. Et fia bio. Le que veut venir abe y appeler allô y a sort vingt bleu bousso dans les TP n'abord mais oh y est tôt mais TP bah ni bah y onye domaine ni onye y est matin là d'assis l'entio et fi abe moka n'abord quoi y est son y a sort blona est son Isabelle et Isabelle ma et que là do adam nuena fia do fianem la ni badan lo ye o jegbero na botunti ve po ametiti o bo ne gbonya so na botanti bo ne da jeresi alebe wate un drop onui ne wa wi o no vio ni adi mi no vio benu abian kuvuru mi no vinti kaka a dit Kounea. Il va venir. Bon, trois, six, vingt, kaka. Autre bon, Nabot. Il est au coup. Il est au coup. Ah. Nabot a coup, ouais. Et puis, il y a quoi du joie? Il y a quoi le son? Au quoi du joie? Il y a un nu, et puis, si Jézabel vendima. Au quoi du joie? Il y a Nabot, il y a un blâme. Mais, hein, il y a. Est-ce que tu es bon? Ya ou que tu es là? Je ne sais pas. 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 Ne wa sonya soni wa sogbe ike dasi ni asoni bele ike wona na bota fi ke avu odido na bot be vulea fi make o jadi do to chan le ma e go me fi na bot ku doa e fi an to jai fi an to ja ku ye e soin Jezabel ike le doa dan badane ike di a me jojo be kuwa et tiens, avant la vous. Eh, nous vivons longtemps. Mao, et ni Jojo, et ni Mao. Et au don à un tépénat, messieurs, mais. Et là, d'eau, à me vendre du haut, ton tépénat, des cas, des cas, des cas. Eh. Yé, que Béda, si y'a pas, n'a fia, à Kaba. Et d'ici, le quoi. Yé, quoi, d'ici, ah, nous vendons là, et ni. Il va m'a oublié de coucou. Et c'est le verre de bonne vente. Il a fait toi. Ah. L'aïké aussi. Et de quoi est gommé. Il a aussi le verre de bonne vente. On se peut nous voir soquer. Et du coup, il est d'orientia. Ma veine, l'épée. A gbenoye. Voir. Et puis, dit Dimeo. On l'a pas. L'équipe dit quoi. Eh, nous vivons longtemps. Il y a peu maoua. M'blagne pas quoi, maou, ni. Tout quoi, ni, Jojo, ni, peu maou. Kaké. N'aimez Jessimia de quoi? Moukan, dès que nous vendons les dos. N'aimez Jessimia de quoi, mi trouvez quoi? Et les besoins, à ce que mi fa. Allez, mi a trop dit, à gbé, gomme. D'abord, Jessie de quoi? Au soir, nous vendons. Et si à cab, Jessie de quoi? Au soir, nous vendons, soqué. Et après tout le bien sur mia boy, le bien sur mia bobé. Mia, mia ou mia ni jojo ni ba meo.
Pevie toi mien long, mien havio, abe mien tordo kuyene. Et moi mien havio, abe aller que hier me tordo na, wa non non non. Ka ke mio mien tordo ke me lo lonchi. Mien long ame ko e ti tero mien ti. Mien be ke to ame ko be agblemi. Mio mien long. Et quand vous ma woeni pondro la. Vous savez que mes les miasio. Ma woeni pondro la. Entia miaso ava. So dasi mena mao. Mao to nyapa. Et là wela du dynamite. Yesu avaya towe. Yesu avaya towe. Ya ben sa de mawa ya ben mawa de mawa Yesu avaya tawe lo ya ben sa de mawa ya ben mawa de mawa ya ba yesu to e oni ya tele be mi o mi aka do ameike do mi klo ya kaneji kakareji be nyae mi aka nya ho eji se be na pe to ma gbe mi jare o kakareji ple hose ple mo popo ni su mi asi e la ve menani ape to ni pe mi anti e ike ni lonlo o pe lonlo e ike me lonlo blibole ni pe mi anti be mia o cha mia ni lolo pa mo mia de lolo pe jesi fion hi hesia mia lo mia havio abe mia to ne be vie to mia lo mia be keto e kwali sia sia ne pere mia nti amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Précieux sang du Christ, purifie-moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons. Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tours sans fin, sur ceux qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Frère, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, demeurons en prière et surtout ayons foi et espérance en celui que nous suivons, Jésus-Christ. Ayons de l'assurance qu'il est avec nous. Et les commandements qu'il nous donne encore en ce jour, l'amour de nos frères et en plus l'amour de nos ennemis, de ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous persécutent. Prions pour eux. Si eux, ils nous souhaitent du mal, nous souhaitons leur du bien. Mais Dieu, le Dieu de justice, va faire justice pour nous. C'est à lui le dernier mot. Il va répondre. Il va répondre à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il fait. Ne soyons pas comme le roi Acab et sa femme Jézabel, mais plutôt nous, recherchons le bien, faisons le bien partout où nous passons. Nous sommes des témoins du Christ quand nous faisons le bien. Et il nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, soyons parfaits. Recherchons la perfection, et la perfection se trouve en Dieu. Soyons en Dieu. Merci, bonne soirée à vous, et que le Seigneur nous protège tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous. Merci, mon Père. Thank you.